Bienvenue dans l'étude biblique que nous gagnons pour aujourd'hui. Mon nom c'est Ronald Staffel. Nous allons retourner dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Nous étions dans la session avant, qui Jean bon Dieu t'a créé le monde en 6 jours. Mais aujourd'hui, nous allons voir le 7e jour qui s'est la donne. Le 7e jour, nous allons voir qui Jean bon Dieu reposé. Mais il faut me dire que malgré que c'est dans le chapitre 2 à nous, verset 1 à 3 que nous avons vu, il était supposé venir à la fin du chapitre 1. Mais où est que vous mettez le chapitre 2? C'est parce que la Bible a été écrite, pas de chapitre, pas de verset, tout le bagage a été écrit en seul coup. Il était écrit dans un bagage qui était le manuscrit. Manuscrit, ça veut dire qu'il a écrit à la main. C'est ça qui fait le manuscrit. C'est ok, il prend main, il a écrit. Il était écrit le bagage sur une série de paubelles que il était comme le parchemin. Ou bien, son série de gros papiers solides, yote kanre les papyrus. Papyrus ça c'est de avec une plante que yote fait. Ça veut dire que ça n'a pas là, li pat kon coupé vraiment l'en mitan koto wè là pour la fond chapitre, pour le commencer son chapitre. Et c'est ça qui fait m'te besoin expliquer nous ça pour nous capable comprendre pour qui ça conclusion qui t'a supposé venir dans chapitre 1er, li commencer dans chapitre 2. OK? So, ça veut dire verset 1, 2 à 3, le chapitre 2 que nous avons connu, il est supposé venir à la fin verset 31, qui est le chapitre 1er. Bon, qu'on y a que nous comprenons ça, on a allé qu'on y a pour nous lire qui ça lui dit, et puis le nous finit de nous pouvons faire une explication, nous pouvons faire une explication de lui, et puis après ça, nous avons regardé qui Jean lui appliquer l'envie. Bon, on a allé, on nous lit, c'est Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Comme ça, bon Dieu te fin fait ciel là, la terre, ensemble avec tout ça qu'il a donné. Sous 6 jours, bon Dieu te fin fait tout ça qu'il t'a fait. 7e jour, il suspend le travail. Il bénit 7e jour, il met à part pour lui, parce que c'est jour ça, il te suspend le travail, après il te fin créer tout ça qu'il t'a créé. Quand il y a que nous fin lili, nous pouvons avoir une explication de ça nous sommes lire. Entre verset 1 à verset 3, que nous sommes lire là, dans le chapitre 2, il y a 4 choses que nous allons être sur. Premier bagaille, c'est que il y a une relation serrée entre la terre et le ciel. Ça fait nous voir ça. Nous te voyons que pendant chaque jour que bon Dieu t'a créé, tout ça qu'il t'a créé, est comme s'il t'a créé, c'est pour la terre même qu'il t'a créé. Parce que l'on bien gardé, le premier jour, il fait lumière qui pour éclairer la terre. Le deuxième jour, il fait ciel là qui pour couvrir la terre. Le troisième jour, il prend terre, il sépare de la mer et puis il crée plantes qui pour soutenir la terre. Et puis après ça, le quatrième jour, il fait soleil, il fait la lune, il fait étoiles qui pour continuer prendre lumière et puis éclairer la terre. Le cinquième jour, il fait poisson avec oiseaux qui pour voler sur la terre, qui pour nager dans l'eau à terre. Et puis, le cinquième jour, il fait bête qui peut vivre sous terre. Et en même temps, tout, il fait l'homme. Et c'est l'homme qui peut dominer la terre. Et j'en vois, c'est que tout ça, bon Dieu, te fait, il fait, li, c'est pour la terre. Mais, le nous lit, ça nous saute, hein, passage ça, qui, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Premier bagage, il dit nous, c'est que, il dit nous, que ciel là avec terre, t'es fini. Mais nous allons connaître qui ça fait dans le ciel là. Nous juste connaît que tout ça qu'a fait c'est pour la terre qui a été faite. Mais qu'on y a mais dit nous mais celle-là avec la terre t'est fini. So, ça veut dire son gros information que bon Dieu passe nous là. Et déclaration ça fait nous retourner encore la hébreu parce que mot hébreu pour ciel c'est un mot qui est hashamayim. Et hashamayim non c'est li veut dire plusieurs ciel parce que mot hébreu Il y a ça lié au pluriel. Ça veut dire que il pas parlé d'un seul ciel, il a parlé de plusieurs. Mais nous pas qu'à connaître si bon Dieu a parlé d'un seul ciel, l'elle dit ciel là avec terre, c'est fini. Ou bien s'il a parlé de plusieurs ciels. Nous pas même connaître mot Hashamayim non, qu'il elle veut dire un ciel, qu'il elle veut dire plusieurs. Et ben on a le font garder pour nous dans Matthieu chapitre 16, verset 19, avec la 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, pour nous voir qui ça Jésus-Christ, ok, petit bon Dieu, avec Paul, qui était l'apôtre Paul, qui était un apôtre Jésus,
On a regardé pour nous, qui ça a dit, des ciels. L'or bien gardé, l'on décrit ça au Matthieu 16, verset 19, avec 2 Corinthiens 12, verset 2. Nous, l'on Matthieu 16, verset 19, bon Dieu a parlé, Jésus a parlé de plusieurs ciels. Parce que mot ça, l'on a lié l'en grec là, parce que partie ça c'est en grec lié, l'on a regardé l'en grec là, c'est de plusieurs ciels que l'on a parlé. Et l'on a regardé l'en grec là pour 2 Corinthiens, Paul dit un seul ciel. Parce qu'il t'a parlé du troisième ciel là. Si Paul parlait du troisième ciel là, et troisième ciel là c'est la bon Dieu, yeah, parce que c'est quand bon Dieu même est arrivé. Parce qu'il dit pas qu'à parler de ça là. Ça veut dire que il y a deux ciels qui viennent avant troisième là. Et deux ciels ça yo, nous comprenons que premier c'est ciel côté gloire entourer la terre, que nous est l'atmosphère. Et puis l'autre ciel là c'est côté ça nous est l'espace ou bien cosmos, c'est côté soleil là, la lune là, les étoiles yo yé. Kounya nous venons comprendre bien que trois ciels yo yo gen raison pour là parce que Paul parle nous des troisième ciel qui vraiment caille bon Dieu. Ça c'est une bagaille que nous venons voir l'explication que ciel là à terre te fin fait la avant que nous rentrions dans le septième jour que des bon Dieu reposé. Mais kounya que nous rentrions dans le septième jour puisque ciel là à terre te fini ensemble yo tant kou de royaume k'ap marcher côte à côte, c'est ça ça vient de montrer non, c'est ça fait nous pour rentrer dans l'explication ça. Bon ça ça veut dire bon là on aller dans Matthieu chapitre 16 verset 19 là nous obligé prendre ça pour capable comprendre qui ça k'ap passer dans Genèse. Li paraît tant kou que bagay qui existait sous la terre c'est comme si yo gagnait le tout dans ciel là, mais ça dans ciel là fermé à clé. Parce que l'ange Jésus dit là, m'a bo clé royaume ciel là et tout ça ou marer sous la terre, a marer dans ciel là, tout ça démarrer sous la terre, a plaguer dans ciel là tout. L'owel comme ça, li fait paraître comme si même bagarre ou gen sous la terre, ou gen doit prendre la ciel là tout, ou bien c'est ciel là pour demander permission pour faire ça passer, pour bagarre passer sous la terre. Eh bien, ça veut dire c'est peut-être peut-être raison ça qui fait que nous pas joindre description ciel là parce que clair bon Dieu ba nous li ça veut dire nous pas besoin qu'on ça cap passer série c'est l'ancien là lié depuis le ba nous clair c'est prend clair ouvert pour nous joindre ça cap passer sur la terre, ça veut dire ciel là pas intéressé nous. L'autre bagage que nous ka wel ça tout c'est que création qui l'ancien là t'a fait même la création qui l'an qui sous terre, si il dit que ils finissent ensemble ça veut dire qu'ils a passé ensemble. Nous voyons ça là, toujours dans Matthieu chapitre 16 verset 19 parce que Jésus dit moi pral baou clé pays royaume ciel là et n'importe bagaille ou bien pral baou clé pays roi qui dans ciel là n'importe bagaille ou mari sous la terre yo te gitan pral mari dans ciel là et n'importe bagaille ou démarrer sous la terre yo te gitan pral laguer dans ciel là tout. Ça veut dire que pour un événement arriver sur la terre, nous besoin clé pour débloquer en l'air le pays roi qui dans ciel là. Et ça c'est à cause des relations qui gagnent entre ça qui sur la terre et ça qui dans ciel là. OK? Bon, kounya n'a pas une deuxième explication que nous gagnons pour passer ça. Et deuxième explication c'est que bon Dieu vient créer un bagage que nous laisser même et lui montrer nous qui gens pour nous utiliser. 6 jours pour nous travailler, 1 jour pour nous reposer. Non, non, écrit-il ça, nous fait connaissance avec un bon Dieu qui travaille, qui travaille pendant 6 jours pour lui créer le monde, pour lui créer le ciel, la terre et puis tout ça sur la terre. Bon Dieu bail exemple pour l'humanité parce que l'humanité pour le faire même travers. Il bail exemple pour les hommes parce que les hommes pour le faire dans portrait, ça veut dire l'image. Et sous septième jour et spécial ça, il fait deux gros bagages. Premier gros bagage qu'il fait, c'est que il suspend travail. Il pas travail encore. Ça c'est premier. Deuxième ça il fait, il repose. Ou ka dit bon, et même bagage là. Non non, il y a monde qui suspend travail qui va me reposer. Et il y a monde tout il a essayé reposer mais il va pas me suspend travail. Lui même, il montre nous que on l'a pour notre travail et puis on l'a pour nous reposer. Bon Dieu compte tout 6 jours de travail. Après 6 jours de travail ça,
rive sous 7e jour. Sous 7e jour, il prend repos et 7e jour ça, il vient reler sabbat. Sabbat ça veut dire 7e li même. Nous voyons que dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11 qui Jean bon Dieu mandé pour traiter sabbat. Il est déclaré que sabbat c'est 7e jour, c'est un jour repos. Et c'est un jour qui t'a doué vini après nos fins de travail 6 jours, même Jean lui même tout, il travaille faire le monde là 6 jours et puis il reposer. Qu'on y a en aller dans troisième partie explication texte là. Nous voyons que bon Dieu béni 7e jour ça que nous fin parler de l'IA et puis il mettel à part. Bon, mettel à part ça veut dire il sanctifier lui. Il fait le vin saint. Les autres jours mettons bagage à part c'est ça nous elle il béni. OK? Il sanctifier. Et pour qui ça joue ça sanctifier, c'est parce que c'est un jour qui célèbre que bon Dieu t'est reposé la donne. Et puis loin nous pour louer que la baie peuple Israël là, c'est ça nous saute parler de lui pour Exode là, li pour la baie peuple Israël là, l'ordre pour peuple Israël là respecter jour ça, là yon bagay que nous relé Torah, ce qui la loi de Moïse. Septième jour ça pour le tourner un commandement parmi les 10 commandements que bon Dieu a bail Moïse pour Moïse bail peuple Israël. Et c'est comme ça qu'il va observer septième jour ça jusqu'à ce que Jésus vienne rentrer sur la terre. Et pour qui ça nous dit jusqu'à ce que Jésus vienne rentrer sur la terre? C'est parce que nous vinn wè que le Jésus a parlé dans Marc chapitre 2 verset 27, il dit que jour et pour ça, il était fait pour les hommes. Ah, s'il était fait pour les hommes, ça veut dire pas fait pour bon Dieu. Tout bon. Bon, eh bien, il n'y a pas qu'à faire pour bon Dieu. Tout bon, parce que bon Dieu n'a pas besoin de repos vraiment. Là, nous bien regarder. Si nous lisons Somme 121, verset 3, il dit que l'Éternel dit qu'il n'a pas dormi et il n'a pas même kabicha. Qui veut dire qu'il n'a pas besoin de repos? Repos, c'est pour nous. Et après que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité et puis il est monté dans le ciel là. Te vin gen l'apôtre Paul qu'al déclaré dans Colossiens chapitre 2 verset 16, tandis ça l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit pas quitter personne jugé d'après ça au manger, au soir au boire, au soir pour un festival que au observer, une célébration la lune qui rencontrait avec soleil. Au soir un jour sabbat. Bagay ça yo c'est l'ombrage, toute bagay. Ça yo c'est l'ombrage toute bagay qui gen pour venir. Vrai ko ki bay l'ombre ça c'est Christ là. Bon, on connaît ça bay en pile monde problème, mais en attendant, c'est parole bon Dieu, mais qui ça bon Dieu, mais qui ça Paul a dit là. L'apôtre Paul dit sabbat son l'ombrage l'était pour Christ qu'ab venir passer ce vrai bagaille pour nous observer c'est corps Christ. Mais ça veut dire son l'ombrage. Ça veut dire corps Christ. Le ou pran, qui j'en fait l'ombrage? L'ombrage c'est la lumière frappée sur un bagay et puis bagay la bloqué lumière. So, ça veut dire sabbat, c'est corps Christ qui paraît qui bloqué lumière et puis qui vient joindre nous. Sabbat son moyen pour le nous arriver ou qu'on voit un ombrage à venir et puis c'est l'eau fin passer l'ombrage à ouais monde tout bon. Et mais c'est ça sabbat hier. Ça veut dire l'un fin passer sabbat depuis nous avons corps Christ pas sabbat encore l'eau est mon en face et pas l'ombrage on cherche encore. Et bien c'est ça sabbat veut dire, c'est ça Paul dit nous là. Et me connaît il est très difficile pour monde prendre si tout monde qui observait le sabbat jusqu'à présent là très difficile pour monde accepter, mais c'est ça Paul dit nous là Colossiens chapitre 2 verset 16 à 17. Bon Dieu te mette 7e jour ça pour l'homme te suspend toute activité yo, et le Jésus te venu. Jésus c'était tout ça nous te besoin pour nous capable joindre à bon Dieu. Et ben sabbat pas gain même importance là encore le Jésus vin sur la terre. Kounye an al nan 4e explication que nous gagnons dans portion ça. 4e explication c'est que nous vin wè que création différent de fabrication parce que dernier verset a dit nous que bon Dieu reposé de tout ça qu'il était fin créé et qu'il était fin fabriqué, qu'il était fin fait. Tout ça il était créé, il était fin fait. Ça veut dire c'est deux bagages différents, l'a créé et l'a fait. Eh ben nous qu'à retourner en Genèse chapitre 1 verset 2 pour nous voir différence là. Songez bien que la terre a présenté à nous, il te dit nous que la terre
c'était un tohu wabohu, ou bien tohu wabohu. Et c'était un mot hébreu qui voulait dire la terre invisible et puis le pot de coffre. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ça, vous allez checker la session, deuxième session, qui nous a été faite sur Tidza, et bien, deuxième session, Wawel. Ça montre nous une distinction entre créer, qui en hébreu c'est bara, et fait ou bien fabriquer, ou bien fabrication, qui en hébreu c'est asa ou bien achat. Mais qui différence qui gagne entre eux? Bon, mais différence là, l'heure dit bon Dieu créer, ça veut dire que li prend bagala sorti directement la spirituelle là, et puis il pas utiliser aucun loi naturel ou bien aucun bagage qui déjà la nature pour le faire. Ça veut dire il créer. Et gagne fois il créer, il crée la spirituelle là sans pas porter le naturel là. Nous devons que il fait ça avec la terre. Le li dit que il fait, ça veut dire que li paraît et puis li met mel là dedans pour le faire. Bon, bon Dieu pas gagne, mais ça veut dire que bagaille est déjà là et puis il prend bagaille qui déjà là et puis il fait un bagaille avec yo. Et gagne fois le pas même faire eux-mêmes, il commande yo et puis yo existe. Par conséquent, on a aller regarder dans Ésaïe chapitre 45 verset 12 pour nous voir qui genre bon Dieu utiliser ça gagne pour lui. Pour lui mettre bagaille sur la tête. Il dit dans Ésaïe chapitre 45 verset 12, c'est moi-même qui fait terre et puis qui crée monde sous lui, moi t'ai fait ciel là avec même moi t'ai commandé toute la mélio. Ça veut dire bon Dieu utiliser trois façons pour lui mettre bagaille sur la tête. Il crée, il commande, il fait. Kounya que nous fin expliquer toute partie ça. Nous pour aller dans application. Application ça veut dire qui j'ai connaissance que nous ce jeune là capable appliquer la vie nous qui j'ai nous capable utiliser pour nous capable servir bon Dieu puis bien. Premier bagage nous pral ouais, c'est que nous pral poser quelques questions sur sabbat. Qui ça sabbaté, pour qui raison bon Dieu te baille jour repos ça et qui j'ai nous capable observer jour repos ça que bon Dieu baille là. Bon, sabbat c'est septième jour. C'est ça mot sabbat veut dire, septième jour. C'est un jour que bon Dieu l'elle te fin fait terre, le défin fait ciel la terre avec tout ça là-dedans. En 6 jours, il est venu reposer. Et il demande nous pour nous reposer là-dedans même genre. C'est ça sabbat. Pour qui ça il était fait? Bon, il était fait pour le bail les hommes un exemple qui gens pour les hommes après un travail reposer. Non, qui gens pour nous utiliser sabbat? Nous défin pas l'eau déjà que sabbat il était en observation jusqu'à ce que Jésus t'est venu. Après Jésus fin venu, sabbat pas même importance encore. Puis gros importance sabbat, c'est que c'est pour nous prendre temps pour nous reposer. Et reposer, ça veut dire nous reposer non seulement corps ou physiquement, mais nous reposer dans l'éternel. Ça veut dire son lait pour nous capable aller adorer, louer, faire tout ça pour nous faire. Et il y a moun qui fait comme ça. Mais on seul bagaille, nous pas qu'à penser que sabbat c'est un plus gros bagaille qui a une plus grosse importance parce que tout l'autre bagaille. Il pas qu'à plus gros que tout l'autre commandement qui a parce que sabbat c'est un commandement qui a même genre tout l'autre commandement. Dans Marc chapitre 2 verset 27 à 28, Jésus te dit un bagaille qui est très important. Jésus te dit que sabbat t'est fait pour l'homme et pas l'homme pour sabbat. Ça veut dire que bon Dieu t'est fait sabbat pour l'homme. Ça veut dire il pas fait pour tête les assayons. Deuxièmement, livre dit que sabbat pas plus important que l'homme parce que le bon le Jésus fin dit ça, il dit c'est peut-être ça petit l'homme non, il c'est chef sabbat. C'est ça il dit, il c'est seigneur sabbat. Ça démontre à clair que bon Dieu t'est fait jouer pour ça, c'est pour l'homme, pas pour tête lui. Il t'est fait pour l'homme. L'elle t'est reposé son exemple, il t'a bail l'homme qui gens pour l'homme apprendre reposer dans jour sabbat. Et jour sabbat ça supposé venir le 7e jour après qu'on fin travail pendant 6 jours. Nous supposons utiliser jouer pour ça que bon Dieu ba nous pour nous reposer. Deuxième application que nous jeune n'en passe à ça, c'est que nous apprenons qui sont pour nous vivre une vie meilleure. Bon, qui ça relé une vie meilleure? Grand pile monde qui vit. Puis gros problème que nous gagne à travers le monde, surtout dans pays développés, tant que les États-Unis, c'est que monde pas jamais dormir assez. Monde pas jamais reposer assez. Et la vie, c'est en balance entre travail et repos. Et si vous ne prenez pas balance ça bien, c'est ça fait grand pile le monde qui est malade. Bon Dieu fait quoi pour quoi travailler pendant 6 jours et puis pour le reposer sur 7e. Et si nous respectons le comme ça, c'est comme ça que nous avons la vie meilleure. Naturellement, dans le monde moderne que nous vivons là, tellement de technologie, tellement de machines qui font des bagailles, nous ne venons pas reposer même les gens qui nous devons reposer. Et seul bagaille qui peut faire la vie nous paraître un peu normal, c'est si nous t'apprenons repos à tout bon. Par conséquent, ça veut dire que ça bon Dieu te mettait au commencement
li valable toujours aujourd'hui, ça veut dire ou supposé toujours faire. Et c'est ça qui fait un jour sabbat important dans vie chaque monde pour même santé ou capable en forme. Et nous connaissons des gens qui ne prennent pas jour pour ça. Des gens qui travaillent 7 sur 7. Et des gens qui reposent 7 sur 7. Ils ne sont pas bons. Les gens qui travaillent 7 sur 7 là, ils ont des problèmes. Les gens qui reposent 7 sur 7 là, ils ont des problèmes. C'est ça fait nous parler de balance. Bon Dieu mettez-le pour travailler 6 jours et puis pour reposer 7e jour. Et c'est ça nous venir là une semaine. Semaine-là, il y a 6 jours pour travailler, 1 jour pour reposer. Qu'on y en aller la 3e application de passage ça. Passage ça fait nous comprendre que création bon Dieu t'a fait fini parce que c'est ça il dit. Il dit que bon Dieu reposer parce qu'il fait toute sale pour le faire. Et tout bagay pou te fè yo fini, yo fini. Bon, pa gen aucun doute que le bon Dieu dit on bagay fini, li fini. Depuis bon Dieu dit li fini. Ça veut dire que pa gen rien derrière si bon Dieu pa di nou qui existait. Gen yon sèl la tè et tout bagay ki kreye, te kreye pou soutenir vie sou la tè. La tè c'est sèl kote moun ka abite. Ou pa pral nan espace la pou jwenn l'autre planète kote moun kapab abite. La tè tout ça au gain pour habiter. Et c'est même gens tout, même gens pas besoin on l'autre côté pour mon habiter, ou pas besoin l'autre monde tout de l'espace. En anglais yo les alien, en français yo les extraterrestre, pas gain extraterrestre, pas gain alien, pas gain rien ti monde comique couleur vert qui la masse, pas gain bagaille comme ça, pas gain l'autre vie dehors. Seule vie qui gain c'est sous terre que lié et ou pas besoin l'autre vie que terre. Même si ou wè ou à la cinéma, cinéma montre tout bagay sa yo, pa gen yo de yo a tout bon. Seul vi ki gen c'est le monde kote n'ap viv la, les hommes que bon Dieu fait, les hommes et les femmes, ok? Nom avec garçon avec femme que bon Dieu fait, et c'est ça seulement qui gen yen, pa gen l'autre vie. Ça veut dire que tout monde qui riche, kap voye moun dans l'espace pour chercher côté, pour y aller habiter, c'est tant yo a pedi, c'est l'argent a gaspillé. Puis te yo ta pren l'argent sa, yo bay pov li, kon sa bon Dieu ta serré un trésor pour yo dans ciel là depuis yo konn Jésus. Bon, c'est tout ça nous gain pour, nous pas gain l'autre encore. OK? Mon connaît ou gagne en pile question et si vous gagne question ça yo, voyez yo dans email pour moi ou bien poster question ça yo dans section qui en bas vidéo ça, qui section commentaire, ou à poser yo et puis kon sa m'a chercher répondre yo. Eh bien, c'est tout ça nous te gain pour. Moi espérer que les sons ça a été préparé pour royaume ciel là. Et pas j'oublier que Jésus a cherché. Si vous son monde qui pas rencontrer Jésus ça, moi t'a conseillé chercher joindre parce qu'il dit chercher d'abord royaume bon Dieu avec justice bon Dieu. Et si vous pas joindre royaume non, relez-le. Jésus c'est roi, dit qu'on route chemin royaume né. L'a tendez où, l'a répond nous, l'a prend main la conduire dans le royaume non de façon pour pas jamais perdre encore. Eh bien, c'est tout ça que j'ai pour vous. Malé, n'a ouais encore si bon Dieu veut.